Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille Kardashian. On va parler de la mère de Kim Kardashian, sœur Kardashian, et aussi de Jordan Woods. Si vous ne savez pas qui est Jordan Woods ou vous ne vous en souvenez plus, elle était la meilleure amie de Kylie Jenner. Et elles étaient amies, elles ont grandi ensemble et elles se connaissent depuis qu'elles sont petites. Pourquoi on ne les voit plus ensemble? On ne voit plus Kylie et Jordan ensemble? Tout simplement parce que Jordan aurait embrassé le fiancé de Khloé Kardashian. Ça s'est passé lors d'une soirée, ils étaient ensemble, ils avaient tous les deux bu et ils se sont embrassés. Une des caméras sur les lieux a pris la vidéo et avant que ça ne fasse le tour de la toile, Jordan s'est confessé à Kylie et a avoué avoir embrassé le fiancé de Khloé, Tristan Thompson, qui est aussi le papa de sa petite trou. À l'époque, ça avait fait un scandale. À cause de ça, Kylie a dû se séparer de sa meilleure amie. On rappelle que c'est une amie qu'elle connaît depuis l'enfance. Des gens commentaient en disant qu'elle devrait lui pardonner, que c'était sous l'effet de l'alcool. En même temps, certains disaient qu'en fait, tout ça, ce n'était qu'un coup monté pour faire de la publicité pour le show des Kardashians qui perdait de l'audimat, de l'audience. Et tout le monde était gagnant. Jordan se faisait un nom en se séparant de la famille Kardashian parce qu'elle n'était qu'une amie qu'on se servait comme ça et qu'elle n'avait pas vraiment de place dans l'émission des Kardashians. Donc, elle voulait se faire un nom. Et un petit scandale comme celui-ci lui permettait de faire le buzz et d'avoir sa propre personnalité et de gagner de l'argent en dehors de la famille Kardashian. Disant en fait que c'était une sorte de buzz, un coup de relation publique. Donc ça fait 3 ans que ça s'est passé et Jordan n'est toujours pas revenu dans le lair de la famille Kardashian, n'est plus ami avec Kylie, ce qui a contredit toutes les rumeurs de coups publicitaires. Maintenant, on apprend en fait que Kris Jenner, la maman de Kim Kardashian, des sœurs Kardashian, aurait demandé à Khloé Kardashian de pardonner à Jordan Wood en expliquant que l'eau a coulé sur le pont, qu'elle est de nouveau avec Tristan Thompson et qu'elle a pardonné à Tristan. Pourquoi ne pas pardonner à Jordan pour qu'elle puisse redevenir amie avec Kylie? Parce qu'apparemment, elle manquerait à Kylie. Pour l'instant, Khloé refuse de le faire parce qu'elle a peur que peut-être la petite attraction qu'il y a eu, même si c'était sous l'emprise de l'alcool, puisse recommencer parce qu'elle ne fait toujours pas confiance apparemment à Tristan Thompson avec lequel elle compte avoir un deuxième enfant. Et ce qui fait dire à certaines personnes en fait que la famille Kardashian, dont ça sera la dernière saison, la série va s'arrêter sur la chaîne E, souhaite faire un coup de publicité pour que la nouvelle série qu'ils ont signée avec une autre plateforme de diffusion soit un succès et qu'ils puissent rejouer ce drama dans cette série-là. À mon avis, je trouve quand même que c'est dommage que Kylie et Jordan se sont séparés parce qu'elles étaient de très bonnes copines. Est-ce que Khloé devrait pardonner à Jordan? Je trouve que oui, parce que Tristan Thompson qui est à l'origine du problème. C'est Tristan Thompson qui l'a embrassé. C'est Tristan Thompson qui était soupçonné d'être allé avec d'autres femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi Kylie et Jordan Wood devraient payer les pots cassés parce que son mari n'était pas fidèle. Voilà. Donc, je voulais vous donner cette information-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.